Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Après une fausse couche difficile, Amandine Pélissard se replonge dans ses souvenirs. Le vendredi 16 juillet 2021, dans une story Instagram, la mardi. Le lundi 12 juillet 2021, Amandine Pélissard annonçait sa fausse couche sur son compte Instagram. Depuis ce drame familial, la vedette du télécrochet Famille Nombreuse, la vie en XXL veut aller de l'avant. Et quoi de mieux qu'un changement radical pour y remédier? Après plusieurs jours de réflexion, le verdict est tombé. En attendant l'arc-en-ciel après la pluie, Amandine Pélissard a besoin d'une transformation et cela passera par une nouvelle couleur de cheveux. C'est le jeudi 15 juillet 2021 que la jeune femme a partagé ce grand pas en avant dans sa story Instagram. Comme vous le voyez, j'ai passé le cap, j'ai osé retenter les mèches blondes. Commence-t-elle. La mère de 8 enfants est passée par la case coiffeur. Et cela lui va ravir. J'ai voulu du changement. J'en ai, déclare-t-elle à ses abonnés. En plus d'une nouvelle couleur de cheveux. Amandine Pélissard a légèrement raccourci la longueur de ses cheveux. Elle se dit en tout cas assez contente du résultat. Nouveau look pour une nouvelle vie. En parlant de cheveux, d'après les dires d'Amandine Pélissard, les internautes lui demandent régulièrement d'où viennent les boucles de son fils Charles en message privé ou en commentaire Instagram. En effet, son mari et elle ont tous les deux les cheveux lisses. Pour répondre aux interrogations de ses abonnés, la mère d'une famille nombreuse a posté une story Instagram, ce vendredi 16 juillet 2021. Lorsque vous me demandez d'où viennent les bouclettes de Charles, maman aussi. Elle écrit. Le mystère est, à présent, résolu. Les internautes ont pu voir Amandine Pélissard et ses cheveux bouclés à tout âge. Il n'y a pas à dire. Les accroche-cœurs, c'est dans les gènes.